Numéro 1. Concours photo, Hérouville-Saint-Clair se révèle à l'international. Découvrez les photographies réalisées par les participants du concours photo proposé par le service Relations internationales à l'occasion des célébrations des 30 ans du jumelage avec la ville russe de Tikhvin. Ces photos seront également présentées à Tikhvin en Russie, Garbsen en Allemagne, Afir au Maroc et Aniam au Sénégal, ville jumelée avec Hérouville-Saint-Clair. Numéro 2. Auteur de la photo, Enora Malherbe. Titre, appartement avec vue. Légende, depuis mon emménagement il y a 5 ans, je ne me lasse pas de cette vue. De jour comme de nuit, elle fait l'admiration de chaque personne qui entre chez moi. Je ne compte plus le nombre de photos que j'ai d'elle. Des levées de soleil, des arcs-en-ciel les jours de pluie, son petit air new-yorkais la nuit et ses couleurs roses du soir, comme sur cette photographie. Voici donc ma vue panoramique de l'avenue de la Grande Cavée, de la place de l'Europe, depuis mon immeuble de la Haute Folie. Description. Cette photo a été prise depuis un appartement situé en hauteur d'Hérouville. La fenêtre est ouverte et on voit l'avenue de la Grande Cavée, la place de l'Europe et une vision assez panoramique d'Hérouville. Et cette vision se reflète dans la fenêtre qui est ouverte. La photo a été prise au moment d'un coucher de soleil. Numéro 3. Auteur, Charlotte Joly. Titre, Twilight Hours. Légende, lac du Citis, entre chien et loup. Description. Sur l'image, nous voyons le lac du Citis au premier plan à la tombée de la nuit. Au deuxième plan, les bâtiments apparaissent en noir avec le reflet des lumières des fenêtres éclairées. Le ciel est clair, bleuté, avec un quartier de lune. Numéro 4. Auteur Olivier Lelièvre. Titre Le Gardien. Légende. Telle une sentinelle, le château d'eau veille sur ses habitants. Le contraste de l'architecture urbaine et ses lumières sur fond de ciel d'hiver doux et naturel sont deux opposés, mais ne cohabitent-ils pas bien ensemble ? Description. Sur cette photo, on voit le château d'eau d'Hérouville au centre de la photo, de nuit. Autour, les bâtiments éclairés, notamment le CHU en arrière-plan, et un ciel panaché de nuages à la tombée de la nuit. Numéro 5. Auteur Jean-Christophe Gauchard. Titre Le lac de l'Ébizé. Légende Octobre. Description. On voit au centre de l'image un arbre magnifique. Derrière le lac de l'Ébizé, à l'aube, avec le soleil qui se reflète. Numéro 6. Auteur Jade Duvenil. Titre Reflet d'automne. Légende. Je perçois Hérouville comme pouvant être calme et coloré. Or, on dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Et vous, qu'en pensez-vous ? Description. La photo est entièrement prise par un bâtiment vitré. Dans cette vitre, on voit le reflet de la place de l'Europe, du bâtiment Jean Monnet et d'arbres avec des couleurs d'automne. Numéro 7. Auteur Luis J. Torres. Titre « Mère et trois bébés en promenade ». Légende « Le canal qui traverse Hérouville possède une belle faune que nous devons tous protéger. Cette famille fait ses premiers pas avec une certaine timidité. » Description. Sur la photo, nous voyons une canne avec ses canetons sur le bord du canal. Numéro 8. Auteur Alena. Titre L'arrêt de bus. Légende Je rêve que je voyage. Description. La photo représente l'ancien arrêt de tramway, donc l'actuel arrêt de bus, qui se situe derrière l'espace Malraux et qui s'appelle Saint-Clair. Donc c'est une structure assez particulière en métal et vert. Numéro 9. Auteur Maëlys. Titre L'amitié entre
Tigvine et Hérouville. Légende, il était une fois une fille et un garçon qui se sont transformés en statues. Description, on voit une sculpture qui représente deux enfants qui lisent couchés sur un mur. Derrière, un bâtiment multicolore. Numéro 10. Auteur, Iléda. Titre, Le Château d'Eau. Légende, Le Château d'Eau dans l'eau. Description. La photo est cadrée en diagonale. On y voit le Château d'Eau d'Hérouville avec en premier plan une fontaine qui jaillit. Numéro 11. Auteur, Maël. Titre, Le Château d'Eau. Légende, Le Château d'Eau est dans le ciel. La photo représente le Château d'Eau d'Hérouville. Numéro 12. Auteur, Ilana. Titre, La Fontaine. Légende, l'été, la fontaine scintille. Description, sur la photo, on voit une fontaine avec plusieurs jets qui jaillissent et la forêt à l'arrière. Numéro 13. Auteur, Naël. Titre, La Cascade. Légende, La Cascade en pleine ville. Description, la photo représente la grande fontaine de la place de la mairie, qui représente une cascade. Numéro 14. Auteur, Kalel. Titre, Le Château d'Eau. Légende, Le Château d'Eau qui vient des nuages. Description, sur cette photo, on voit le Château d'Eau qui prend toute la photo et quelques enfants au premier plan. Numéro 15. Auteur, Mélia. Titre, La vue d'en dessous du Château d'Eau. Légende, le château ressemble aux haricots magiques. Description, on voit le Château d'Eau d'Hérouville par le dessous. Numéro 16. Auteur, Loho. Titre, La fontaine à eau. Légende, une fontaine à bonbons se transforme en fontaine à eau. Donc la photo est prise en diagonale. Au premier plan, on voit une fontaine avec des jets d'eau. Et en arrière de photo, on voit des bâtiments et une partie du château d'eau d'Hérouville. Numéro 17. Auteur, Sabri. Titre, La fontaine. Légende, l'eau qui jaillit de la fontaine. Donc la photo représente une fontaine. Dans le fond, nous, on voit des arbres et un immeuble. Numéro 18. Auteur, Koubilé. Titre, Le Château d'Eau retourné. Légende, le Château d'Eau est de travers. Description, la photo est prise de travers. On y voit au fond le Château d'Eau d'Hérouville et sur le côté, un bâtiment blanc. Numéro 19. Auteur, Jonathan. Titre, Le Château d'Eau de loin. Légende, le château se trouve au bout de la rue. Description, la photo montre l'avenue de la Grande Cavée. On voit le château d'eau en dernier plan sur la photo. Numéro 20. Auteur, Anis. Titre, Le théâtre d'Hérouville. Légende, eau de Hérouville. Description, sur la photo, on voit le théâtre d'Hérouville et un enfant qui est debout devant et qui représente le haut de Hérouville avec sa main. Hérouville est écrit sur la façade du théâtre. 21. Auteur, Émy. Titre, Arrêt de bus. Légende, petit palmier deviendra grand. Description, la photo montre l'ancien arrêt de tramway, l'actuel arrêt de bus. En premier plan, on voit un petit palmier qui semble être protégé par l'arrêt de bus. Numéro 22. Nom de l'auteur, Idriss. Titre, La fresque de la fontaine. Légende, l'art s'installe sur les murs d'Hérouville. Description, la photo représente un grand mur avec plein de petites fresques dessinées dessus. Elles ont l'air assez abîmées, assez usées. Elles se trouvent place de la mairie à côté d'une fontaine. Numéro 23. Auteur, Younes. Titre, Conservatoire de musique.
légende, la musique s'invite à Hérouville. Description, la photo représente le conservatoire de musique. Au premier plan, on voit une main qui encadre le panneau conservatoire de musique affiché sur l'ascenseur rouge du conservatoire. Numéro 24. Auteur Bachir. Titre Tag. Légende, l'artiste inconnu tag les murs. Description. La photo représente une fresque qui est dessinée sur un mur. La fresque prend l'intégralité de la photo. Sur cette fresque, on voit deux personnages qui semblent issus de dessins animés ou de BD, comme Donald et Dingo peut-être, et des tags tout autour d'eux. Numéro 25. Auteur Ambre. Titre La devise de la République. Légende, la devise se reflète dans l'eau. La photo représente la devise liberté, égalité, fraternité présente sur la mairie d'Hérouville. Sur la photo, on voit deux colonnes sur lesquelles sont représentées des fresques. La devise se reflète dans l'eau d'un bassin en partie inférieure. Numéro 26. Auteur Eléa. Titre L'enfant qui lit. Légende, un petit français lit, je t'écris de Sibérie. Description. La photo représente la sculpture d'un enfant, d'un petit garçon qui est en train de lire un livre. Cette photo se situe place Tiquevin et la sculpture représente le jumelage entre Tiquevin et Hérouville. Numéro 27. Auteur Nayam. Titre Le château d'eau. Légende, la fontaine devant le château bleu. Donc la photo représente le château d'eau d'Hérouville en dernier plan. Et en premier plan, on a un jet d'eau issu des fontaines qui sont présentes devant. Numéro 28. Auteur Matteo. Titre Place de l'Europe. Légende des voitures sous la place de l'Europe. Description. La photo est prise place de l'Europe. On voit quasiment l'intégralité de la place sur la photo et au centre un grand rond sur lequel est écrit Place de l'Europe, tout autour des immeubles. Numéro 29. Auteur Amandine. Titre Les amoureux de la fontaine. Légende La fontaine où se sont rencontrées des personnes. Sur la photo, on voit la cascade Place de la mairie. À côté, en ombre chinoise, l'ancien président Mitterrand et sa femme.